Comédie en Club est en tournée et cette fois-ci, il s'arrête au cabaret du Casino de Montréal du 14 mars au 2 mai. Au total, le public aura droit à 10 représentations animées par Mathieu Cyr, qui lui-même à son tour invitera 4 de ses amis humoristes. 90 minutes de show, des invités de qualité, puis en plus, c'est gratis, Émile. Tu peux-tu croire ça? Gratuit! Je vais peut-être pouvoir emmener ma date dans une place nice, finalement. Hein? C'est elle qui va être contente, ouais. C'est la deuxième année que tu te trouves dans la gang du Comédia Club. Cette année, t'endosses le rôle d'animateur. Qu'est-ce que t'aimes particulièrement dans la formule du Comédia? J'aime la formule ici, Casino de Montréal. La salle est grande, c'est tout le temps full, l'ambiance est folle. Pour les humoristes, c'est un bon vibe. Line-up ce soir, Simon Delisle, Daniel Grenier, Maud Landry, Mike Baudouin. Qui là-dedans que t'aille le plus? Ah, Mike Baudouin, c'est une plaie, man. C'est ordinaire. Il est ordinaire, mais il fait des backflips. Mike Baudouin fait des backflips, estique, puis il est rendu vegan ces temps-ci. Moi aussi, je suis vegan. T'es-tu sérieux? Ouais, c'est sérieux. Tu fais pas de backflip? Non. J'ai pas de masse musculaire, je suis atrophié. Mais ouais, c'est ça. Non, Mike Baudouin est excellent. Il y en a souvent au Bordel Comedy Club. Maud Landry, elle revient d'un voyage en Haïti pour avoir fait du stand-up là-bas. Simon Delisle écrit beaucoup pour la télé. C'est un gars qui est vraiment un gars d'une ligne un punch. Puis Daniel Grenier, ben c'est le fly de la gang. Ce soir, on donne le ton comme du monde. C'est une soirée spéciale? C'est une surprise? Qu'est-ce que tu nous réserves? Ben, je voulais pas le dire, mais je vais porter une chemise. Hein? Je vais porter une chemise. Parce que, écoute, c'est un grand déploiement. Puis c'est une chemise quand même à 29,99. Première fois au Comédia ou deuxième fois, troisième fois? Deuxième fois, on est venu l'année passée. Est-ce qu'on a eu des révélations ce soir, des découvertes? Je pense que le gars de Chicken Swell, clairement, là, il était vraiment, vraiment drôle. Ouais. Quoi les coups de cœur de la soirée? Est-ce qu'il y a eu des surprises de votre côté? Ah, j'ai bien aimé le show avec les lunettes quand il s'autocritiquait. C'était Simon Delisle? Exact. Ouais. T'attendais à rien, finalement, il t'a ramassé. Ah, totalement. Et puis toi? Pareil, lui, le présentateur. Quoi ton préféré ce soir? Je dirais que ce serait Mike. Ouais. Ouais, ben justement, je l'ai vu souvent, puis il était drôle avec son. As-tu des enfants parce que ça fessait, là, tu sais? Non. Non, mais il m'a bien aligné. Yes. Maud Landry, un humour très absurde. Des fois, on était comme, es-tu dépressive, es-tu heureuse? Mais ça a bien marché pour vous. Je l'ai trouvé assez tranquille, mais elle est très drôle. Vous êtes juste vous deux ensemble, êtes-vous, c'est une date? Est-ce que tu te tenais et tout? Je sais pas, les filles sont cachées. Tu vois les filles en coin? Good. Mademoiselle, comment ça va? Ah, moi, je suis dans son sens. Ça va? Bien. Vous sortez ensemble? Non, moi, ça va être bien. Ah, ben là, j'en ai de bord, Caroline.